D'accord. Robin au chant. Donc, Moi, c'est Charlie à la guitare. Alexandre au chant. Au chant. À la batterie. Et Antoine à la basse. Je m'appelle Thibaut Courant. J'ai 13 ans. Voilà, je pense que c'est tout. Alors nous, on est We Remain the Same, un jeune groupe lorientais là, qui vient de se former il y a 5 mois. Et bah, là, c'était notre deuxième concert. Non, c'est bon, non, arrête. C'est le deuxième concert et ouais, voilà, je présente Steven, le gratteux de la bande. Moi, c'est Sébastien, bassiste, Charlène, chanteuse et pianiste. Et Jo, batteur. Donc, on est Lunats, on est un groupe qui vient de Vannes. Donc, on s'est formé il y a un an et demi à peu près, avec Peter ici présent et puis Mathieu. Et puis, ces deux-là nous ont rejoints il y a seulement une dizaine, quinzaine de jours en fait, dû aux restrictions d'âge. Donc, voilà. On a fait quelques répétitions, c'est super bien entendu, on s'est dit qu'on allait s'amuser ici. Ouais, ça fait un an et demi qu'on fait de la pop rock, rock alternatif on va dire. Voilà, c'est tout. Bah, je m'appelle Rosane Hénaud, j'ai 15 ans, je suis en seconde. Je fais de la guitare depuis à peu près 2 ans et j'aime beaucoup ça, c'est ma passion. Je fais aussi d'autres instruments, je fais de la basse. Je fais du djembé, enfin de la percussion. Et je fais de la guitare électrique aussi. Voilà. Bah voilà, je m'appelle la petite madame, j'ai 19 ans. Je fais des compos depuis que j'ai 14 ans, quand j'ai appris à jouer de la guitare. Bah moi c'est Diego, lui c'est Thibaut. On s'est rencontrés il y a un an par rapport, parce qu'il était en classe avec moi et il faisait du beatbox. Donc du coup j'ai entendu, il m'a fait écouter une de ses instrus qu'il avait fait auparavant et là j'ai bien aimé. Donc du coup moi je lui ai dit que je faisais des rimes et tout. Donc du coup là on a fait une musique. Moi je m'appelle Apolline Roland, j'ai 17 ans, j'habite à Languidic et mon nom de scène c'est Apollinaire. Je chante depuis mes 13 ans, je joue depuis mes 12-13 ans aussi, mais j'ai appris à chanter après de commencer à jouer de la musique. Je m'appelle Maxime, j'ai 21 ans. J'habite à Kistinik. On s'est rencontrés en fait au lycée, plus ou moins. C'est-à-dire que bon, il y a mon petit frère aussi dans l'histoire, donc il n'était pas encore au lycée quand le groupe s'est formé. Thomas et Valentin donc jouaient ensemble bien avant qu'on se rencontre. C'est la cinquième. Ouais. Depuis la cinquième, ils jouent ensemble. Et on s'est rencontrés donc en salle de musique au lycée, on a buffé ensemble Valentin et moi. Et en gros on a joué pendant un quart d'heure, on s'est serré la main en se disant « Salut, moi c'est Wilfried, salut, moi c'est Valentin » et on s'est dit « Bon bah on va peut-être faire un truc alors si ça se passe bien ». Et donc on a mélangé un projet qui s'appelait Gob Gotha, que Thomas et Valentin avaient avec un autre groupe. Moi j'ai amené un projet que j'avais avec un auteur en fait, qui travaille avec nous, notamment sur les textes et sur la mélodie. Donc Frédéric Faragorn, qui est pas mal sur Quiberon, sur la zone de Quiberon, ouais. Voilà. Ensuite, on a vraiment commencé, disons, en avril 2011. C'est ça, les premières répètes, c'était ça. Et voilà, donc là, on se lance, on essaye. Alors moi, c'est Julien. Mais dis, qu'est-ce que tu fais, sinon ça n'a aucun intérêt. Bah, je fais de la guitare. Boris, je fais de la batterie. Kevin, bassiste. Virgile, chanteur. Et Fouette, guitariste solo. Ok, donc moi c'est Simon, j'ai 22 ans, donc je fais de la guitare depuis à peu près 10-11 ans. J'ai fait plusieurs expériences en groupe avant, donc par contre avec les études, tout ça, ça a dû exploser, donc c'est pour ça que je me retrouve tout seul aujourd'hui. Donc voilà, forcément je me retrouve tout seul avec une guitare acoustique. Parfois, on peut me retrouver avec un peu d'harmonica ou des petits instruments assez simplistes. Sinon, je fais des concerts depuis environ 3 ans dans les bars, des spectacles. Je compose des petites chansons, je m'inspire de ce qui se passe autour de moi, de ma vie, de mes amis, tous les tracas, les choses qui se passent bien, de mes amis, de ma famille. Donc voilà. Alors, nous, on est les 12 Feet Under, on est anciennement les Revolving Sun en fait. Et donc on est 6 dans le groupe, donc à ma gauche il y a le pianiste, Gabriel. Moi je suis chanteur, Hugo. Le guitariste électrique, Bastien. Jean-Nicolas qui nous a rejoint récemment, à la batterie.
Baptiste à la basse. Et là-haut, sur le tabouret, c'est Thomas qui fait du violon, un petit peu de guitare aussi, qui chante des fois, il fait un peu tout. Il est énervant. En gros, à la base, on était les Revolving Sun, ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on est ensemble. Donc il y avait ce monsieur, moi et ce monsieur. Ensuite, Thomas nous a rejoint 4 mois plus tard pour se greffer au truc. Jean-Nicolas nous a rejoint il y a 3-4 mois. Et Baptiste, en fait, n'est pas notre vrai bassiste. Je sais pas si on a le droit de le dire. Il nous dépanne, en fait, parce que notre autre bassiste n'a pas pu venir. Mais ouais. Merci Baptiste. Alors, je m'appelle Manuel Perrault, Manu. J'ai 19 ans samedi prochain. Je suis en sculpture sur Auray. Et ça fait un peu plus d'un an que je fais de la techno. Et 3-4 ans que je fais de la musique. Public pas très... pas en masse, mais franchement ça fait plaisir quand même de se faire applaudir et de se faire encourager. Enfin, je sais pas les gars, mais moi je suis ultra content de notre prestation, quoi. Non, perso j'ai trouvé ça cool parce que on était dedans, le public, on a réussi à le rameuter un peu devant, ce qui était pas évident. Donc je trouve ça cool, quoi. On a foutu notre bordel, on est content, quoi. Moins stressant que la première fois, je sais pas pourquoi. Et c'était bien, c'était vraiment bien. C'était bien, c'était génial. C'est une bonne expérience, quoi. Ça permet d'avoir une scène à certains groupes. Et c'est génial, ouais. Le public était bien. To the fates we used to face, no, we never held our breath after every unrest. To the joy that l'ambiance était pas mal. C'est dommage que le public se... On a l'impression qu'ils avaient peur de s'approcher, c'est un peu dommage. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais. Alors, au niveau sonorisation, je sais pas si ça fait partie des questions, mais c'était agréable de jouer. Et puis, le public, quand même, il applaudit bien entre les morceaux, ça réveille, ça fait du bien. J'ai beaucoup aimé. Enfin, au début, c'est vrai que j'étais vraiment sous le trac. C'est un truc de fou. Mais j'ai bien aimé. Enfin, j'étais à l'aise sur scène. J'étais à l'aise avec les gens et voilà. Et après, c'est passé. C'est venu comme ça. Donc voilà. Alors en fait, le truc qui est assez déstabilisant, c'est que je ne voyais pas le public, j'avais que de la fumée devant moi. Ma guitare étant folk, l'amplifier c'était un peu galère, donc du coup j'avais l'impression de ne pas entendre ma guitare et j'avais peur de frapper dans le micro si je me lançais. Et du coup, j'entendais la voix, mais j'avais l'impression de cracher dans le micro, du coup c'était pas forcément hyper évident. Personnellement, moi je dis que le public, ça va, il était bien chaud et tout, le concert, c'est bien recherché, moi je trouve ça bien, les jeux de lumière, tout ça, c'est trop bien. J'ai rien fait donc c'était bien, c'était la deuxième fois donc. J'aurais dans mon meilleur où tout le monde se réunit, où il n'y a pas de différence, toutes les filles ont un sens. J'aurais dans mon meilleur.
la pauvreté n'existe pas. Ou que c'est tout le même grade, je rêve d'un monde meilleur. Où tous les quartiers sont à égalité, tous la même fierté. Où le mot prise de gueule n'existe pas. Que tout le monde se réunit pour le meilleur jusqu'au paradis. Je rêve d'un monde meilleur où tout le monde se réunit, où il n'y a pas de... Il a été très réceptif, contrairement à ce que je m'attendais. Je me dis, si je fais pas de reprise, peut-être que ça va pas... Peut-être que ça va pas plaire au final, et j'ai fait que des compos, et bah, y avait mes amis et ma famille forcément pour mettre un peu l'ambiance, mais je trouvais ça vraiment impressionnant, pas mal. Bah, je pense que c'était pas mal, j'espère que le public a été réceptif à mes chansons. Après, bon, c'est vraiment très perso, on va dire, mais bon, ça peut toucher n'importe qui, quoi. Il faisait chaud. Je pense que c'était largement perfectible, quoi, mais il y a eu une bonne énergie qui s'est créée, quoi, donc ça fait... Moi perso, j'ai pris du plaisir, après je sais pas si... Si. Moi aussi. Voilà. Y'a plein de choses qui ne vont pas. Y'a plein de choses qui ne tournent pas rond. Et des gens qui meurent au milieu des fleurs. Ah, c'était super amusant. On s'est beaucoup amusé, c'était génial. Le son était super sympa. Beaucoup d'amusement. Les gens étaient cool. Ça, c'est super important. Ça. On sent que le public s'est amusé et nous aussi. Ouais. To stay blind. Never you are the self-destruct. Bah, j'ai trouvé ça pas mal. On va dire que il y avait ambiance, donc c'était cool. Et puis ça fait toujours un peu bizarre de se faire juger. Donc c'est, pour moi c'est une première fois, donc j'ai hâte de voir un peu les résultats. Je pense pouvoir parler pour tout le groupe. C'était vraiment super, vraiment génial. Le public était, c'est vraiment super agréable quand le public est réceptif. On a les éclairages, les fumigènes. Non, c'était génial. Nous, on n'a pas beaucoup de concerts à notre actif, donc c'est vraiment super. Bah, j'ai trouvé ça cool, c'est vrai, les gens ils bougeaient bien la tête. Bon, ça aurait été mieux si les gens avaient dansé, mais avec le son, enfin, si, c'était cool, c'était frais. Alors, nos ambitions, donc on veut pas devenir star, enfin, on a un peu d'humilité comparé à certains qu'on a vu l'année dernière. Ce qu'on voulait faire, c'est donc le 24, on a des enregistrements, on va faire des enregistrements à l'écho. Après, on va essayer sûrement de faire des petits concerts dans les bars, les trucs comme ça, histoire de bouger un peu, quoi, et de voir si le public accroche. Puis après, bah, je pense que c'est le truc primordial, quoi, se faire plaisir, quoi. Après, puis éventuellement manger de temps en temps, et puis tout le reste, quoi, c'est quand même un peu important. Enfin bref, surtout du fromage. Voilà, c'est bon, non ? Vous avez une autre question ? Je veux continuer, j'aimerais faire un label indépendant pour la dubstep ou pour la style, parce qu'il n'y a pas vraiment de label pour cette musique-là. Et continuer, enfin, ouais, dans les... tout ce qui peut, enfin, continuer, quoi. Bah, déjà faire des petites scènes là,
Et c'est tout, faire une petite démo. Vraiment, on va faire la finale parce que la finale, ça nous ferait déjà une scène en plus. En plus, apparemment, la finale, c'est encore plus de monde, encore plus de bruit, encore plus de... d'énergie, donc nous franchement la finale ce sera notre objectif. Après une fois qu'on arrive à la finale c'est tout bénef, une fois arrivé à la finale en fait on va vraiment s'éclater, on va pas se prendre la tête, dire ah on va être premier, nous c'est vraiment la finale qui est notre objectif, on vise bas comme ça on est sûr de pas être déçu en fait. J'aimerais bien continuer dans la musique, c'est vrai que ça me plairait beaucoup parce que bon bah je trouve ça ouais intéressant, j'aime beaucoup, on m'a dit que j'avais du talent, bon ça je sais pas mais bon. Si on me l'a dit, si je suis arrivée ici, déjà c'est une grande chance pour moi. Et j'imaginais même pas faire ça déjà. Donc, ouais, mes ambitions au niveau de la musique, c'est continuer comme ça en fait. Et puis, et encore m'améliorer encore plus. Moi, mes ambitions, c'est me faire plaisir. Pour moi, la guitare, c'est mon petit délire perso. Bah là, effectivement, enfin, je considère que c'est, comme je disais, un moyen privilégié pour passer des messages et autant profiter de la musique justement pour pouvoir faire ça, quoi. Donc, c'est plus qu'effectivement des chansons à texte qui m'intéressent. Je voudrais faire professeur de musique, tout simplement. Si je pouvais faire de la musique sur scène, ce serait génial. Mais bon, je me vois pas la face. Je sais très bien que c'est difficile de percer dans le métier aujourd'hui, donc. Juste faire des études dans la musicologie et puis faire professeur dans des écoles de musique. M'amuser tout simplement. Faire ce que j'aime, la musique, c'est tout. Ouais, pour l'instant, ce qu'on aimerait, c'est surtout développer le projet jusqu'à ce qu'on ait une petite, une petite réputation, puis tourner un maximum. Enfin, un album aussi, notamment. Aucune. On veut s'amuser en fait. Et prendre des cuites, comme l'a dit Virgile, ouais. Mes ambitions ? Pour l'instant, je me fais plaisir. Donc ce soir, si je suis venu, moi, c'est pour savoir ce que je vaux. Donc déjà, en priorité, c'est pour avoir vos recommandations, vos avis. Donc savoir ce que vous pensez, si ça vaut le coup que je continue, voilà. Donc avant tout, moi, je fais plaisir à ma famille, mes amis qui sont là. Et puis ça fait toujours plaisir de les voir dans des concerts, dans des bars, et qu'ils me suivent un peu. Donc c'est pour moi un grand plaisir. Être connu et respecté dans le milieu de la musique. Non, en gros, sérieusement, ouais, pouvoir tourner un peu plus assez souvent sans être professionnel, hein, parce qu'on fait tous encore des études, donc on n'a pas le temps pour ça, mais faire quelques dates par mois, partir un peu dans les quatre coins de la France un jour, juste jouer, mais entre potes, pour l'instant, on se prend pas la tête avec ça. Quoi. Jouer à balle, tourner, parce que c'est ce qui me fait kiffer, mais... Ouais, vraiment, ouais, jouer, faire du live devant les gens et m'amuser. Ah, la question qui tue. Alors, y en a plusieurs du coup, parce que c'est plusieurs styles. Dubstep, Skrillex évidemment. Tout ce qui tourne autour, que ça soit Duba Johnny. Voilà, à peu près, X-Core, tout ce qui tourne sur la chaîne UKF Dubstep. Et en art style, Zatox. Zatox et Headhunters. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on a tous des influences différentes. Donc moi, c'est surtout les, on va dire les Killers et Muse, beaucoup de Muse. Moi, principalement c'est les Beatles. Alors moi j'aime bien tous les groupes de Kepong, quoi, enfin punk. Donc les trucs qui bougent bien, quoi, qui vous laissent des acouphènes, que j'ai d'ailleurs. Enfin bref, de le néo-punk californien, donc les chants comme Caesar. Donc en chanteur, il y a qui ? Il y a le Corey Taylor, le chanteur de Slipknot. Mais quand il fait sa voix plutôt calme, quoi, puisque le scream, quand ça gueule, je suis pas trop fan.
Moi, c'est plus du style du nu metal, Papa Roach, Stab Note aussi, et The Offspring, tout ça. Quand j'étais petit, David Guetta. Voilà. Nombreuses. Non, franchement, c'est vraiment composé au feeling, quoi. Red Hot Chili Peppers. Augustana, pour ceux qui connaissent. Bah, à titre personnel, après, moi, j'ai Beatles, Oasis, principalement. La pop des années 90, de manière générale. Je citerai, pour ma part, Pepper Roach, Asking Alexandria, et des groupes qui crachent un peu, genre Escape the Fate aussi. Mes influences, j'aime beaucoup Tracy Chapman. En rappeur, j'aime beaucoup Eminem, je trouve qu'il fait des très belles chansons. Autrement, j'aime beaucoup Seal aussi, qui chante bien, qui a une très belle voix. Tout ce qui est chanteur de blues et tout, j'aime beaucoup. Aucune idée, franchement, je sais pas du tout. Je fais quand ça vient, comme ça. Bah, globalement, c'est un groupe donc de rock, hein, vous l'aurez pas compris, mais après, Wilfried est plus influencé par tout ce qui est. Faire Hendrix notamment, quoi. Voilà, rock à texte, puis rock des 70s, quoi. Moi, je suis plutôt un métalleux. Thomas, plutôt. Ouais, rock, hard rock. Et Scott C'est divers, mais en gros, je joue de tout. Donc, mes influences sont de Eminem à Metallica. Donc, voilà. Ok. Helicopters ou Fighters. Il est Sylvius. Voilà. Ouais, mais c'est nous, donc ça compte pas. Ouais. Johnny Cash, Bob Dylan. Neil Young, Bruno, Alain Souchon, Jacques Brel, donc c'est vraiment quelque chose de bien. C'est pas beaucoup mon époque, mais je m'en inspire un peu quand même. Par contre, j'ai aussi, je suis assez influencé par le rock français, on va dire Noir Désir, comme d'habitude, hein, comme tout le monde, Deportivo, toutes les choses comme ça. Ouais, on va dire c'est pas mal du Radiohead, du Muse, du Ginzou, un petit peu des Red Hot sur d'autres chansons, pas ce qu'on a fait là, mais. On a même des Maroon 5, un petit peu de tout. C'est un petit mélange de tout. Ouais, lui il fait du rap même, donc c'est. Ah, ça peut même aller jusqu'à Rage Against the Machine. Voilà. Oula, un peu de tout. J'aime surtout techno électro, quoi. Minimal un peu aussi. Tout ce qui est progressif, et j'aime bien tout ce qui est. Qui tape dedans aussi. Plus dur, genre, l'art techno. Un peu de tout en fait. J'essaie de m'inspirer un peu de tout. Ouais. Bisous. Exactement. Tchuss. Gros bisous. tu pourrais faire acteur porno. Hein. Quoi? Ça sera coupé ça? Mais non. Ça a envoyé des pâtés quoi. Fin. Rock and love. Le mot de la fin, Tagadugada. Ouais, ça c'est fait. Mou. Merci. Et un petit dernier mot, it's only rock and roll, but we like it. Voilà. Bravo. C'est pas moi qui ai dit de la merde pour une fois. My head is burning, my